Je suis salariée donc en production porcine depuis 8 ans et aujourd'hui je m'occupe du poste PS engraissement et je suis polyvalente. Je surveille les truies, donc savoir si elles ont bien à manger, j'insémine et je produis des cochons, j'engraisse des cochons tous les jours. Je suis les Miss Bois, je suis un peu infirmière, sage-femme et docteur parce que en fait, j'ai un peu tous les rôles à m'occuper des animaux. En bac pro, on a fait des stages en lait, en viande. Donc du coup, le fait d'avoir multi-stages, ça m'a permis aussi de voir autre chose et de me guider vers mon boulot aujourd'hui. Je suis très animalière et c'est vrai que prendre soin des porcelets, même de la truie, je m'éclate. Je suis passionnée. Plusieurs stagiaires qu'on a là maintenant aujourd'hui sont des femmes et quand on regarde les recherches d'emploi, il y a beaucoup plus de femmes qui cherchent des boulots dans l'agriculture parce que l'agriculture maintenant c'est devenu une passion que ce soit pour un gars ou pour une nana et les facilités, les outils de travail qu'on a maintenant aujourd'hui à l'heure actuelle ne permettent pas de dire que le boulot est super physique. C'est dur, c'est sûr, parce que voilà, on travaille 39 heures par semaine et que minimum, mais c'est prenant et mais non, c'est une femme a tout à fait sa place, pas forcément en maternité comme tout le monde, mais dans tous les postes.